Dis-moi, Emory, à propos de tes vacances dans ce chalet à la montagne, est-ce que tu as vraiment besoin de repos et de combien de temps exactement? Tu vas pas me demander d'accepter un travail au pied levé juste avant les vacances de Noël? Attends, je t'explique. Phil Lasker devait m'écrire un article pour qu'on le mette en ligne le jour de Noël. Mais si j'ai bien compris, il est coincé sur la banquise en plein milieu de l'Antarctique. Encore? Et donc, je suis dans la panade. Tu savais qu'autrefois le mot panade désignait une bouillie ou une soupe de mauvaise qualité? Et c'est là que tu interviens. Tu vas m'écrire un article de 2000 mots sur les traditions de Noël les plus répandues dans notre pays. Les traditions de Noël dans notre pays, c'est ça mon sujet? C'est à la fois trop vaste et trop vague. Mais pour toi, c'est l'opportunité de te reposer en réfléchissant à toutes ces traditions de Noël qui ont tant marqué ton enfance. Ah, il me faut l'article pour le 23. Pour te motiver et aussi parce que je suis quelqu'un de super, je t'ai réservé un chalet à Pine Grove. Tout frais payé, bien sûr. T'es en train de m'acheter, là? Oui, 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 je sais. T'as l'air préoccupé. Qu'est-ce qu'il y a? Rien de spécial. C'est juste qu'on pourrait faire quelque chose de différent pour Noël. Différent de quoi? Différent de notre brunch avec mamie. Hé, attends. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? On avait un texte à écrire aujourd'hui sur quelque chose qu'on aime bien faire. Et moi, j'ai choisi le thème de Noël. Ah, oui? Oui, mais pas les Noëls de maintenant. Ceux qu'on passe avec maman. Vous m'emmeniez à la montagne. Il y avait de la neige partout et ça sentait le sapin de Noël dans les rues. Tu te souviens de tout ça? Un petit peu, oui. Faire des cookies, faire un bonhomme de neige, une maison en pain d'épices. Ta maman adorait faire ça. Et je suppose que tu as pensé à un endroit précis. Pine Grove? Oui, et d'après ce que j'ai compris, son meilleur ami prétend que c'est génial. Elle a même fait une liste intitulée « Le plus beau des Noëls ». Et l'élément commun à toutes ses activités, c'est la neige. Oh, Scott! Ce village est tout à fait charmant. Je crois bien qu'on n'a jamais passé les vacances de Noël dans un chalet de montagne. On peut aussi rester ici, tu crois pas? Après tout, le plus important, c'est qu'on soit réunis. Oui, mais c'est parce que Cathy t'a demandé, et elle n'est pas très exigeante. J'ai une idée. Je vous offre un séjour là-bas, à toi et à Cathy, pour Noël. Oh, maman! Si, si, j'insiste. Je vais dénicher le plus adorable chalet en bois de Pine Grove pour vos vacances. Et toi alors? C'est l'anniversaire de ma meilleure amie dans quelques jours et je lui ai promis d'être là. Eh ben, tu vas à son anniversaire et ensuite tu nous rejoins. Tu vas jamais nulle part. Oh, ça c'est complètement faux. Je suis allée chez Tante Rose au mois de juillet. C'était il y a 3 ans à Auckland. Je peux presque voir Auckland depuis la fenêtre. Tu ne quittes jamais la région. C'est parce que j'aime mon chez-moi. Je suis très casanière. Je ne veux pas que tu passes Noël toute seule si tu vas pas. Nous non plus. Scott? Maman? Allez, s'il te plaît, mamie. Oh... Comment résister à un appel aussi déchirant? C'est impossible. Oh. D'accord, je vous rejoins là-bas. Bonjour, papa. Bonjour, ma citrouille. Alors, ça te plaît, Hong Kong? Tu sais, ça fait pas très longtemps qu'on est arrivé ici. Tu es la bienvenue si tu veux nous rejoindre. Non, tu vas passer ton temps en réunion et maman au téléphone avec ses œuvres de charité. Ça alors, on jurerait que tu nous connais. Un tout petit peu, oui. Maman t'embrasse très fort. Bonjour, maman. Non, le mieux, c'est qu'on se retrouve pour de vraies vacances tous les trois. Pourquoi pas au printemps? D'accord, avec plaisir. On a hâte d'y être. Et sinon, tu as des projets pour les fêtes de Noël? Je parie que tu vas sauter dans un avion et faire le tour du globe. Pas du tout. J'ai loué un chalet dans la petite ville de Pine Grove. À Pine Grove? J'y suis pas retourné depuis que tu étais enfant. Vous m'avez emmené à Pine Grove? Bien sûr. On a passé Noël là-bas avec toi une année. Tu devais avoir à peu près 4, peut-être 5 ans, je ne sais plus. C'était avant que je monte ma boîte. Je m'en souviens pas du tout. Moi, je m'en souviens. Je pense que c'est le dernier Noël traditionnel qu'on a passé ensemble. Parce qu'on a déjà passé des Noëls traditionnels? Faut croire que oui. Mais c'était dans une autre vie. Ah. Oui, j'ai l'impression d'avoir débarqué dans le monde magique de Noël. Je t'ai dit que le propriétaire du chalet tient également la boutique de bonbons du coin? Non, je savais pas, mais curieusement, ça m'étonne pas du tout. Tu vas trouver l'inspiration là-bas. Est-ce que t'as commencé à réfléchir à ton article? Non, pas vraiment. Ça viendra. Te casse pas trop la tête. Contente-toi de t'imprégner à fond des traditions de Noël. Oui, justement, c'est ça qui m'inquiète. J'ai encore jamais vécu de Noël traditionnel. Enfin, pas dans le sens où tout le monde l'entend. L'Italie, le Brésil, le Tibet, je peux t'en parler des heures, mais le Père Noël,
Là, tu vois, je sèche. Je sais, mais tu pouvais pas trouver de meilleur endroit pour évoquer Noël. Et qui sait, tu seras peut-être assez inspiré pour t'attaquer à ce livre dont on a discuté. Oui, peut-être. Mais pour ça, il faudrait que j'accepte de ne plus voyager et de me poser pendant un certain temps. D'autres l'ont fait et s'en sortent pas plus mal. D'autres, mais pas moi. Allez, je te laisse. Il faut que je trouve ce fameux type qui loue des chalets et vend des bonbons. Ciao. Excusez-moi, je cherche Monsieur Al Hindry. Oui, c'est moi. Ah, génial. Je m'appelle Emory Blake, j'ai... Al, excuse-moi, les affiches du concours de maison en pain d'épices, qu'est-ce que j'en fais? Oui, tu peux en mettre une dans la vitrine. Excusez-moi, votre nom c'est... Emory... Oui, excusez-moi. Skip, il faudrait que tu ailles aider Madame Chase. Vais... On est débordé en ce moment. Je voulais juste récupérer les clés d'un chalet qui a été loué au nom d'Emory Blake. Ah, il s'agit de mon autre métier. Attendez. On vous a attribué le chalet Bois de Cèdre. Vous verrez, il est splendide. Est-ce que votre ami vous rejoint bientôt? Non. En fait, il n'y a que moi. Ah oui. Mets-en une dans la vitrine de tous les magasins du centre-ville. Pardon, c'est un concours de maison en pain d'épices. À Pine Grove, c'est plus attendu que le Super Bowl. Tenez, toutes les activités prévues pour Noël et une carte avec l'emplacement du chalet. Voilà. Attention. Une grosse tempête de neige se dirige vers nous. Alors j'espère que votre véhicule est équipé, sinon vous ne pourrez pas circuler. C'est ici. Vas-y, hop. Regarde, papa, il neige. Eh oui. Allons-y, je veux pas être sur la route quand la tempête va se déchaîner. Chouette. Super. Alors... Ah. C'est ouvert. Entre. Merci. Il est magnifique, ce chalet. Tu peux aller dehors? Bien sûr. Attends, tu t'éloignes pas, d'accord? Je t'aime, ma puce. Génial. Ça, c'est pas prudent du tout. Ah non! Non, mais vous êtes dingue! Vous avez 10 secondes pour dégager d'ici. Vous êtes qui d'abord? C'est pas une blague. Je pratique le Krav Maga, je sais me défendre. Si on allait faire du traîneau sur la colline. Waouh! N'aie pas peur, mon cœur. Tout va bien. En plus, vous cambriolez avec des enfants. On n'est pas des voleurs, on a la clé. On a loué pour quelques jours. Sûrement pas, c'est moi qui ai loué. Ne me frappez pas, je veux juste prendre mon téléphone pour vous montrer le mail de réservation. Pas de geste brusque. Téléphone. Mail de réservation. Al. Hindry. Vendeur de bonbons et loueur de chalet. On parle de la même personne. Ma preuve de réservation est là. Parfait. Donc. Donc. Donc le mieux c'est que... On reste tous les trois dans le chalet? Non. Je suis désolé. Vraiment, je suis terriblement confus. Je ne sais pas comment... Skip, les bâtons en réglisse sur l'étagère du haut. Ça a pu arriver. C'est un vrai mystère, en effet. L'important maintenant, c'est de trouver un logement à Madame Blake. Attendez, vous partez du principe que c'est à moi de m'en aller? J'ai une fille. Vous avez du culot. Vous n'hésitez pas une seconde à vous servir de votre enfant. Et j'ai ma mère qui arrive demain. D'accord, eh ben... Votre mail de confirmation dit que vous avez réservé il y a seulement 2 jours, alors que moi j'ai réservé bien avant. Il y a 3 chambres dans ce chalet, c'est trop pour une seule personne. La défense a parlé. Vous êtes avocat?
Il se trouve que oui. Ça me donne encore moins envie d'être conciliante. Ah oui? Et vous, vous faites quoi dans la vie? J'écris des récits de voyage. Magnifique. Donc, j'imagine que vous êtes habituée à certains imprévus. En effet, et je sais très bien qu'avec vos talents, vous n'aurez aucun mal à trouver un autre chalet. Je suis vraiment navré, mais tous les chalets sont loués ce week-end. Tous? Oui, tout est complet longtemps avant Noël à Pine Grove. Si vous avez eu la chance que ce chalet soit libre, c'est uniquement parce qu'à la dernière minute, quelqu'un a annulé. Ok, alors une chambre d'hôtel, peut-être? J'ai passé des coups de fil dès que vous m'avez signalé le problème. Tous les hôtels sont complets. Croyez bien que je m'en veux terriblement. Al, les boîtes de chocolat, je les mets où? Là-bas au fond, juste là devant toi, Skip. Ah oui? Joyeux Noël. Un sucre d'orge? C'est quoi pour Noël? Ah. Donc aucune chance de trouver refuge dans un hôtel. C'est pas étonnant en période de fête. C'est le temps parfait pour faire du traîneau. Soyez sympa. Ah, ça va, d'accord. L'homme à l'enfant a gagné. Tant pis, je vais rentrer à San Francisco et je saurai jamais comment se passe un Noël traditionnel sous la neige. Mais la tempête arrive et tu disais qu'il fallait pas conduire sous la neige, papa. T'inquiète pas pour moi, j'ai fait de la moto dans la cordillère des Andes, j'ai pas peur de la neige. Tu vois, y a pas à s'inquiéter. Elle survivra. Merci de nous laisser le chalet. De rien. Eh ben, au revoir, famille Hayes. Bon Noël à vous deux et... surtout, n'abîmez pas mon beau chalet. Notre chalet. Merci encore, c'est gentil. Non, non, non! Oh, par pitié, me fais pas celui-là. Joyeux Noël, tout le monde. Joyeux Noël. Papa, regarde. Allez, 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 vas-y. Allez-vous, passez le bonjour à votre épouse. Vous avez un problème? Oh, je crois qu'elle a juste tendance à faire des manières quand il fait froid. Et il va faire de plus en plus froid. Oui, c'est pas faux. Vous voulez pas rester au chalet jusqu'à ce que la tempête soit passée? Juste une nuit, alors. Juste une nuit. Vous en faites pas, je reprends la route dès que le garage aura réparé ma voiture. C'est l'alternateur. Qu'est-ce que vous en savez? Bah, ça s'entend. Me dites pas que vous êtes avocat et mécanicien. Non, mais mon père et moi, on aimait bien bricoler les voitures quand j'étais plus jeune. Oh! Développez votre... Vous avez pas l'air d'un bricoleur de voiture. Qu'est-ce que vous en savez? Vous me connaissez pas. Quoi, vous avez jamais d'a priori sur les gens? Bah, j'essaie d'éviter. Vous êtes sûr que vous voulez pas dormir dans la chambre d'amis? Oh, non. Si votre maman arrive demain, c'est bien mieux que la chambre reste propre pour elle. Comme vous voulez. Et puis, j'aime bien dormir devant un bon feu. Après le filet d'un catamaran dans la mer des Caraïbes, c'est mon deuxième endroit favori pour dormir. Dans le filet d'un catamaran? Vous n'imaginez pas. Quand on s'endort sous la voûte étoilée avec l'arc d'Orion au-dessus de soi, on s'aperçoit qu'on vient de réaliser un rêve qu'on pensait pas avoir. Je commence à me faire une petite idée de qui vous êtes. Vous aimez l'aventure, hein? C'est exact. Vous n'êtes jamais resté au même endroit très longtemps. C'est l'histoire de ma vie. Un père militaire? Oui, il aurait pu, sauf qu'il n'est pas dans l'armée. Ah. Mes parents travaillent dans la haute finance. J'étais habituée à déménager souvent. Et demain, je vais reprendre la route. Encore merci pour le chalet. Non, merci pour ce soir. Dormez bien. Vous aussi. C'est pas grave. J'étais sur le point de me réveiller de toute façon. C'est tous les pays que t'as visités? Certains des pays que j'ai visités, oui. Je veux voyager plus tard. Découvrir tout le monde entier. Ah oui? Il y a tant de choses à voir. Est-ce que t'as envie de regarder mes photos de voyage pendant que je vais à la salle de bain prendre une petite douche? Tu veux bien? Mais oui, évidemment. Tiens. Les voilà. Régale-toi.
Tu as pris la bonne décision. D'après les bulletins météo que je suis en train de consulter, ils ont fermé tous les accès qui mènent à la montagne. Combien de temps ça va durer? Il faudra au moins 24 heures pour dégager les routes. Ton hôte est coincé là-bas, même si sa voiture est réparée. Qu'est-ce que c'est que ce soupir agacé? Rien. Oh, pas de ça. Je t'ai élevé, mon garçon. Quelque chose ne va pas chez cette femme? Non, elle est... pas déplaisante. Pas déplaisante. Elle s'appelle comment, déjà? Emory Blake. Elle écrit des récits de voyage. Elle est très bien, c'est juste que c'était pas prévu. Ta petite fille qui est encore au lit vient de me demander de lui monter son petit-déj. Oh, alors dépêche-toi. Je te téléphone dès que je peux prendre la route, d'accord? À très vite. Emory Blake. Pas déplaisante. Je suis désolée. Y a pas de mal. Au moins cette fois, vous m'avez pas fait le coup du Krav Maga. La journée n'est pas finie. Ça veut dire que je dois m'attendre à une attaque surprise? Je prévoyais plutôt de passer la journée à écrire. J'ai remarqué là-haut un petit bureau tout à fait confortable. Et c'est moi qui l'ai vu la première, alors n'essayez pas de l'annexer. Il est à vous. Avec Cathy, on a prévu de s'occuper de sa liste. Sa quoi? Sa liste de Noël. De toutes les activités qu'elle a envie de faire ici. Oh, bien. Vous feriez mieux d'y aller. J'y vais. Promis, on vous embêtera pas. Oui, y a intérêt. Qu'est-ce que tu regardes? Emory m'a prêté sa tablette avec ses photos de voyage. Ça, c'est des photos de sapins de Noël du monde entier. Oula, ça en fait des sapins. Moi aussi, je vais voyager quand je serai grande. C'est vrai? Mais alors, je vais passer tout mon temps à me demander... Oui, Cathy? Que fait Cathy? Elle s'amuse, Cathy? Est-elle saine et sauve? Faut pas t'inquiéter, je reviendrai à la maison pour tous les Noëls. T'es sûr, hein? C'est promis? Promis. Promis! Le plus beau des Noëls, aller à la montagne, avoir un vrai sapin, faire des cookies. Et même que c'est toi qui vas le choisir et je te laisserai couper le tronc avec tes énormes muscles. Ouais. Où vous allez avec une scie à la main? J'ai essayé de scier un tronc avec mes mains, mais c'est pas facile. Ah, surtout ne quittez pas le barreau, maître. On va chercher notre sapin de Noël. Il y a une ferme de sapins pas très loin où on a le droit de couper son arbre. Toute ma vie, j'ai eu envie de faire ça. Toute ma vie. Ah, ça fait si longtemps que ça? T'as déjà coupé un sapin, toi? Je suis forcée de reconnaître que de toute ma vie, je n'ai jamais fait ça. C'est marrant. On va pas tarder à le savoir. C'est notre nouvelle tradition. Ce serait pas un oxymore, ça? On l'a encore jamais fait, mais c'est une très vieille tradition. Tout à fait. C'est une vieille tradition... comme celle que tu as notée sur ta liste. Je me suis permis de jeter un coup d'œil. C'est un travail très soigné. Et c'est une très longue liste, alors... on se met en route? Bien sûr. Excusez-moi, j'ai une requête. Je dois écrire un article sur les traditions de Noël dans notre pays et... j'ai pas passé de Noël chez nous depuis... En fait, j'ai jamais passé de Noël ici. Alors... Oui? Vous aviez une requête. Est-ce que je pourrais, disons, m'incruster pour observer? Vous voulez observer notre Noël? C'est pour trouver l'inspiration. Cathy, je crois que ta liste est exactement ce qu'il me faut. Dis oui, papa, à Noël, on partage tout. Vous voyez? Elle a raison. Ça fait partie des valeurs de Noël dont je veux parler. Ouais, je suis d'accord. Allez-y. Génial. Merci beaucoup. Je vais chercher un bonnet et une paire de gants et je reviens. Partez pas sans moi!
Ils sont bien ceux-là. Vous préférez lequel? Celui-ci. Va pour celui-ci. Est-ce que Maury peut le couper? Ah bon? Mais je croyais que tu avais eu envie toute ta vie de couper un sapin. Oui, c'est vrai. Mais t'as besoin de le faire pour ton article. Et moi, j'ai le temps. Je suis plus jeune que toi. Eh, pas de commentaires. On doit avoir le même âge tous les deux. Vous êtes sûr? Vous croyez que je suis pas capable de le couper? Je pense que vous êtes capable de tout quand vous avez une idée en tête. Qu'est-ce que vous en savez? Vous me connaissez pas? Ah, c'est pour me faire une opinion basée sur l'observation et la connaissance empirique. Oh, ça c'est du jargon d'avocat. Le garage a appelé quand vous étiez sous la douche. C'est l'alternateur. Je parie que vous êtes très fière de vous. C'est pas faux. Elle sera réparée demain. Mais en attendant... Merci. Oh, tu peux me prendre en photo? D'accord. Ah oui, c'est un véritable appareil photo. Regarde dans le viseur et appuie sur le D'accord. bouton. D'accord. J'appuie juste sur le bouton. Alors. C'est ça, bah oui, c'est pas comme ton téléphone. C'est bon, vous êtes prêts? Attention les yeux. Ah. Oh. Et voilà, c'est fait. Magnifique. Beau travail. Merci. Bravo. Allez hop. On fait une dernière photo? Mets-toi à côté du sapin. D'accord. Toi aussi, papa. Allez. D'accord. Dis cheese. Cheese ou sapin de Noël. C'est super les vrais appareils photo, j'adore. Ah ouais, c'est vrai? Bah, je te le donne si tu veux. Non, 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 c'est trop. Si, ça me fait plaisir. Et puis, c'est Noël. J'ai pris beaucoup de photos de voyage avec cet appareil. Il porte chance. Merci, Maury. Par contre, je vais avoir besoin d'un coup de main pour le porter. Laissez-moi faire, je m'en occupe. C'est gentil. Et voilà. Ah, t'es contente? Oui, très. On emporte notre sapin? Bah oui. Cathy! Johnny! Eh ben ça alors, quelle surprise! Salut, madame. Pourquoi tu m'as pas dit que tu venais passer Noël ici? Je te demande pardon. J'avais un peu la tête ailleurs. C'est ce que je vois. Je suis Alice Bennett. Enchantée de faire votre Enchantée. Connaissance. Mon fils Johnny est dans la classe de oh, Cathy. D'accord. Et Maury Blake? Alors, vous êtes venus ensemble? Non. Il y a eu un petit souci avec le chalet. Une double réservation. Et ma voiture est tombée en panne et je suis bloquée ici par la tempête. Oh, c'est vraiment pas de chance. Mais je repars pour San Francisco dès que possible. Oh, quel dommage que vous ne soyez pas là pour Noël. Pine Grove est tout simplement magique à cette époque de l'année. Je suis tellement contente que vous ayez décidé de venir. Ah oui, depuis le temps que tu me parlais de ce village. Oui, je vais réclamer une commission. Je sais pas si Al serait d'accord. Oh, tu l'as rencontré? J'adore sa boutique, Johnny et moi, on y passe dès qu'on arrive ici. Oh, je suis sûre que Cathy va m'y traîner. Il est peut-être super, mais il manque un peu d'organisation. Bon, eh ben, il faut qu'on ramène le sapin. En tout cas, maintenant que je sais que vous êtes là, je manquerai pas de te contacter. Il y a tellement de choses sympas à faire. J'ai été ravie de vous rencontrer, Maury. Oui, moi aussi. Bon. Au revoir, bonhomme. On y va, Cathy. Je peux aller chercher les autres guirlandes? Vas-y, mon cœur. Je le trouve vraiment pas mal, cet arbre. C'est vous qui l'avez choisi? Ah oui, c'est vrai. Je crois qu'Alice l'a trouvé pas mal, elle aussi. Et je ne parle pas que de l'arbre. Je dis ça, je dis rien. Elle est très mignonne et... vous l'intéressez beaucoup. C'est une des mamans de l'école de Cathy. Ça vous fait un point en commun? C'est pas ce que vous croyez. Bon, si vous le dites. Ça fait très longtemps que je ne suis pas sortie avec une femme. Mon épouse est morte quand Cathy avait 6 ans. Oh. Je suis vraiment désolée, je croyais que vous étiez... Et quand Cathy m'a dit que passer Noël à la montagne était le meilleur souvenir qu'elle gardait de sa maman, j'ai voulu lui faire plaisir. Je comprends maintenant. Cet endroit faisait partie de sa liste. Alors c'est pour ça que vous êtes là. C'est pour ça qu'on est là. Mamie va adorer notre décoration. Qu'est-ce que tu as d'autre sur ta liste? Faire une maison en pain d'épices. Oh, j'ai vu qu'il y avait un concours de maison en pain d'épices en ville. Oh, papa, il faut qu'on s'inscrive. Ah bon, il le faut. C'est un besoin vital. Bah oui, c'est le numéro 4 sur ma liste. C'est le numéro 4. Alors, vous n'avez pas le choix. Je t'écoute, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Faire des cookies. Évidemment. Décorer le sapin et la maison. Je m'en occupe.
Et aussi faire du patin à glace. Ça tombe bien, j'ai vu une patinoire en arrivant. Tu sais faire du patin à glace, toi? J'ai beaucoup regardé les gens patiner quand je vivais en Finlande. Oui, mais regardez, c'est pas comme patiner. Vous croyez? C'est bien, chérie. Cathy! Oh là là. Amusez-vous bien et soyez prudents. Et vous aussi. Ok. Allez, je me lance. Waouh! 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 Oh. Oh. Tout bien? Oui, à part un bleu ou deux. Ça va, vous n'êtes pas censé vous moquer de moi. Vous méritez un point pour votre détermination. Oui, c'est vrai, c'est une de mes qualités. Contrairement à l'équilibre. Je saurais faire un triple axel dans très peu de temps, vous verrez. Oui, parce que vous avez le meilleur des coachs. Non, parce que je suis une vraie guerrière, surtout quand on me lance un défi. Scott! Tiens, Alice! Salut! Salut! C'est drôle, on n'arrête pas de se croiser. Salut, Emily! C'est Emory. Oh, pardon! Bonne nouvelle! Une des routes est dégagée, vous allez pouvoir rentrer chez vous dès que vous aurez votre voiture. Oh, c'est fantastique! Autre bonne nouvelle, j'ai réussi à me procurer 2 places de plus pour le ballet Casse-Noisette. J'en aurais bien pris 1/5, mais je me suis dit que vous seriez sûrement reparti. Oh, évidemment! C'est pour demain soir. Qu'est-ce que t'en dis? Toi et moi, Cathy et Johnny. Parfait, c'est une bonne idée. Génial, c'est un rencard. À plus tard. Rencard, c'est juste une façon de parler. Oui, c'est juste un mot qu'on emploie quand on sort avec quelqu'un. Oui, c'est une façon de parler. Si vous le dites. Vous voulez mon point de vue de femme sur la question? Pour elle, c'est un vrai rencard. C'est parti pour le triple axel. Oula. Ouh. Et ouh. 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 Alors, tu les suis à la trace tout en prenant des notes? Non, je participe pleinement aux activités que Cathy a notées sur sa liste. Oh, c'est-à-dire? Je te l'ai dit, c'est moi qui ai scié le tronc du sapin toute seule, t'imagines? Je suis fière de toi. T'as avancé, côté article? Eh ben, il se trouve que oui. J'étais très productive ce matin. Continue comme ça. Tu sais quoi? J'aime ces activités. Vraiment? Oui, enfin... Mis à part la patinoire que j'ai détestée... J'imagine. Et puis, je trouve ça plutôt distrayant de voir Scott faire semblant de croire que le rendez-vous amoureux qu'il a avec Alice n'en est pas un, alors que pourtant, ça tombe sous le sens que c'en est un. Et ça t'ennuie pas qu'il sorte avec elle? Quoi? Non. Je veux dire, c'est vrai, il est adorable, bon, même si parfois, il est un peu gauche par moment, mais enfin, il sort avec qui il veut. Et t'es sûre de pas vouloir que ce soit toi? J'en suis tout à fait sûre. De toute façon, il est prévu que je parte dès que sa mère sera là. Qu'est-ce qui te retient là-bas? Eh ben, j'ai promis à Cathy de l'aider à décorer le sapin avec sa grand-mère dès qu'elle arrivera. Après tout, c'est la première des traditions à Noël, non? Surtout avec une petite fille charmante et son canon de père qui est célibataire. J'ai jamais dit qu'il était canon, attention. Est-ce qu'il l'est? Sans doute, mais il a une beauté terriblement conventionnelle. Conventionnelle, mais qui saute aux yeux de tout le monde? Oui, c'est exact. Donc, il est canon? Oui, c'est exact. Et on dirait qu'il te plaît. Sans vouloir m'avancer, je crois que tu t'apprêtes à dire... Oui, c'est exact. Véronica, si tu voyais cette jeune femme avec qui il dit qu'il n'a pas rencard demain, je veux dire, elle est parfaite. T'as pas répondu, et personne n'est parfait. Mais elle, elle s'en rapproche. Elle est très mignonne et gentille, elle a aussi un enfant comme lui. Je veux dire, c'est exactement le genre de femme qu'un homme comme Scott rêverait d'avoir. Mais est-ce qu'il y a de l'alchimie entre eux? Parce que j'insiste là-dessus, ça peut pas se fabriquer. Il y en a ou il y en a pas. Eh oui. Ça valait le déplacement, quel bel endroit. Oui, c'est beau. Oh, c'est splendide. Quels arbres majestueux. Il faut que je raccroche. Où est-ce que vous êtes? C'est moi, je suis arrivée. Ah! Mamie! Oh, mon trésor. Oh, tu m'as beaucoup manqué. Sois la bienvenue. Oh. On est content que tu aies pu nous rejoindre. Et Emory, je vous présente ma mère. Enchantée. Emory Blake, je suis ravie de vous rencontrer. Moi aussi, je suis contente de voir que votre voyage s'est bien passé. Oh, et moi donc, c'était l'aventure pour arriver ici. J'imagine. Je vais aider Al à monter tes valises. Merci. T'as vu notre sapin de Noël? Où est-il?
il est magnifique. C'est Maury qui a coupé le tronc. Ah oui, vraiment? Elle voyage beaucoup, même qu'elle a passé Noël dans tous les pays du monde entier. Mais pas dans notre pays. Pas depuis très, très longtemps. Oui, tellement longtemps que je me rappelle plus la dernière fois que j'ai fêté Noël ici. Je suis ravie que vous partagiez ce moment avec nous. Je vais demander à Scott de cuisiner une dinde au marron pour Noël. Ça a l'air très appétissant, mais j'ai prévu de m'en aller dès que ma voiture sera réparée. Encore faut-il que le pont soit ouvert. Le pont est fermé? Absolument. C'est pour ça qu'on a emprunté les petites routes avec mon véhicule. Vous voulez rire? Il devrait rouvrir demain à la première heure. Comme ça, tu vas pouvoir rester plus longtemps? Et maintenant, que tous ceux qui veulent finir de décorer le sapin lèvent la main. Pourquoi elle s'allume pas? Il doit manquer une ampoule. Oui, mais laquelle? Il faut les vérifier une par une. Ça va nous prendre toute la journée. J'y peux rien, moi c'est vous qui vouliez vivre un Noël traditionnel. Quand est-ce qu'on va faire les cookies? Tenez, une ampoule de rechange. Oh. Ah, j'ai trouvé celle qui manque. Christmas tree. Ah, voilà les couleurs. Oh, Christmas tree. Your leaves are so unchanging. Celle-ci, on va la suspendre ici. Oh, Christmas tree. Oh, Christmas tree. Your leaves are so unchanging. C'est joli. Est-ce que c'est bien comme ça? Not only green when summer is here, but also when it's cold and clear. Ça y est, c'est bon. Oh, Christmas tree. Oh, Christmas tree. Your leaves are so unchanging. Oui. Voilà, regarde comme c'est beau. Ah, ça commence à prendre forme. Qu'est-ce qu'il y a dans ce carton? Des décorations de Noël. C'était les vôtres, à tes parents et à toi. Je les ai retrouvées chez moi, dans le grenier. Et je crois que c'est le moment de les ressortir. Regarde, dans cette boîte rouge... il y a une boule avec ton prénom dessus. C'est ta maman qui l'avait faite pour ton premier Noël. Je me disais qu'on pourrait peut-être suspendre ça dans notre sapin. Des sucres d'orge? Le premier Noël dont je me souviens, c'est quand on vivait à Berlin. Le sapin des voisins en était recouvert. Et pour moi, ça symbolise vraiment la fête. Finalement, vous aussi, vous avez une tradition de Noël? Il faut croire que oui. J'avais pas vu les choses sous cet angle. Je trouve l'idée géniale. On va tous les mettre dans notre sapin. Comment ça, tous? Je veux en manger quelques-uns. Tenez. C'est trop joli. Oui, je trouve aussi. Et en plus, ça se mange. Tu cherches quelque chose? Comment tu fais pour mettre les photos sur son ordinateur? Tu dois brancher l'appareil photo dessus. Regarde dans la boîte, il y a ce qu'il faut. Comme avec le téléphone? Oui, comme avec le téléphone. Merci, j'ai eu une idée. Je vais faire un truc super avec des photos. Quel truc super? Je peux pas te le dire, c'est une surprise. Oh. Chut. Ah. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, rien, c'est Alice. J'ai pas vu le temps passer. Cathy, prépare-toi, on va voir Casse-Noisette. Oh. Et notre arbre de Noël alors? On finira demain matin. Alice et Johnny passent tout prendre dans 10 minutes. Allez, va t'habiller. Go, 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 go. On ne devrait pas rentrer tard. Ne t'inquiète pas pour nous. J'ai plein de cadeaux à emballer pour Noël. Oh, je peux vous aider? Merci. C'est pas de refus. Bonne chance pour votre rencard. C'est pas un rencard. J'avais pas emballé autant de cadeaux de Noël depuis que j'ai passé 6 mois avec la famille Marcou. Ou, en comptant les parents, ils étaient 11. Oh, mon Dieu. Et vos parents, est-ce qu'ils font quelque chose pour Noël? Oui, toujours. C'est simplement qu'ils le fêtent partout dans le monde. Parce qu'ils sont rarement dans notre pays. Je me souviens quand Scott était petit, Noël était notre moment préféré dans l'année. Je passais des heures en cuisine. On faisait des marrons grillés. Et évidemment, je m'assurais que la maison soit joliment décorée. Ça fait des années qu'on y a renoncé. Depuis le décès de... Ça a dû être une épreuve horrible. Oui, en effet.
Scott a l'air un peu perdu depuis que Lisa nous a quittés. Non, ce n'est pas tout à fait ça. C'est plutôt qu'il s'est renfermé, replié sur Cathy et sur lui-même. C'est normal, vous croyez pas? Oui, mais c'est pas une bonne chose. Autrefois, il était beaucoup plus spontané. Je voudrais qu'il redevienne celui qu'il était, qu'il soit plus ouvert aux autres et au monde. Eh bien, peut-être que quelqu'un l'y aidera. Un peu de tisane ? Volontiers, merci. De rien. J'ai passé une excellente soirée. À bientôt, Cathy. Merci pour l'invitation, Alice. C'était très sympa. On remet ça très vite. Dors bonne bien, nuit. Cathy. À toi aussi. Au revoir. Salut, c'était bien cette soirée? C'était super, j'ai adoré. Ah bon? Tu n'es même pas un petit peu fatiguée? Non, j'aimais de la vie. Au fait, le garage a appelé et quelqu'un va ramener ma voiture ici demain après-midi. Alors vous partez? Non! Cathy. Mais si elle s'en va, elle va passer Noël toute seule. Ce sera pas la première fois. Vous devriez rester, Emory. Vous avez l'air de passer un bon moment avec nous. Je me plais beaucoup avec vous, c'est vrai. Dans ce cas, restez en bonne compagnie. T'es d'accord? C'est Emory qui décide. Dans la mesure où j'écris mon article pendant mon séjour, je suppose que je peux rester. Oui. Génial. Je suis trop contente. Il avance votre article? Bon, tout doucement, mais oui, ça avance. Et vous? Vous avez du travail qui vous attend à votre tour? Plein, je vais pas chômer. Le droit des affaires, c'est ça? En plein dans le mille. Ah bon? Mais en fait, non. C'est plus d'actualité. Ah, vous étiez dans le droit des affaires avant? Oui, avant. Et je passais presque tout mon temps à travailler. Qu'est-ce qui s'est passé? Lisa. Elle arrêtait pas de me demander de lever le pied, et bien sûr, je l'ai pas écoutée. D'après son décès, mes priorités ont changé. Je vous en prie. Alors, comment réaliser la plus belle maison en pain d'épices de la ville? En ajoutant une patinoire. Excellente idée. Je me charge de faire un glaçage bleu. Bonne idée, avec une patineuse effondrée sur la glace, pour plus de réalisme. Ça, c'est mesquin. Une patinoire, quoi d'autre? Il faut des sapins dans le jardin, avec des bretzels pour les troncs et des céréales teintes en vert ou bien des pop-corn pour la verdure. Et si ça marche pas, des cornets de glace retournés avec des boules de gomme verte dessus. Où vous trouvez toutes ces idées? Nos voisins étaient pâtissiers quand on vivait à Londres. Oh. Vous verrez que je suis une mine d'informations futiles de ce genre. Oh, c'est vous qui le dites. Comment on va faire le toit? Avec des biscuits en forme de tuiles recouverts de colorants alimentaires marron. Ou des amandes qui figureront les tuiles. S'il vous plaît, pas des amandes. Pourquoi? C'est une très longue histoire. Est-ce que vous connaissez la coutume suédoise du porridge de Noël? Non. Non. Disons, pour faire simple, que c'est à cause d'elle si je suis célibataire. Intéressant. Pourquoi on ne ferait pas un glaçage blanc pour imiter la neige autour de la maison? Qu'est-ce que vous en pensez? Très bien, j'adore cette idée. Moi aussi, de j'adore. La neige oui. Partout autour de la maison. On en mettra partout. Voilà pour la touche finale. Ton bonnet lui va très bien, mais je veux que tu ailles en chercher un autre. Ton bonhomme de neige a plus chaud que toi. Tu voudrais pas être malade pour Noël. En place pour la photo. Dites... flocons de neige. Flocons de neige. Est-ce que je peux prendre mon appareil photo pour la fête de Johnny? Eh, bien sûr. Je vais chercher mon bonnet. Une fête? Oui, Alice donne une réception pour toutes les familles qui passent Noël ici. Et elle a pris soin de vous inviter, vous et ma mère. C'est très gentil à elle. Oui, c'est quelqu'un de bien. J'en déduis que le rencard s'est bien passé. Ah, ça va, d'accord, j'arrête. J'arrête.
Donc vous êtes célibataire. C'est pour ça que vous recherchiez la solitude pour Noël ? En partie. Je crois que j'avais besoin d'y voir plus clair, de réfléchir aux raisons pour lesquelles... Je sais pas, je me suis pas encore décidée à me poser. Et comme vous savez, mon éditrice en a profité pour me refiler ce travail. Et on a fait irruption dans le chalet. Mais vous m'avez beaucoup aidée pour l'article. Si on peut rendre service. Vous savez, c'est plutôt joyeux de faire toutes ces activités avec Cathy et vous. Décorer le sapin de Noël, faire cette bonne femme de neige. Jusque-là, je savais pas ce que je ratais. Il faut juste que je trouve le bon angle pour cet article. Et à propos de cette amende de Noël, en quoi est-ce qu'elle est responsable de votre célibat ? Je vais être franche avec vous, c'était pas entièrement la faute de l'amende. La rupture était inévitable. Pourquoi ? D'abord parce qu'on passait pas assez de temps ensemble. À cause de vos voyages ? Oui, les voyages n'ont pas aidé, mais... En réalité, il manquait le plus important. Attends un peu, toi. Attention. J'ai traité. Attention, attention. Attention. Ah non. Aïe. Touché. Ah, je vais pas vous rater, vous faites de trop belles cibles, les filles. Allez, Cathy, vite en perdre. Attendez, pousse, vous en faites une crêpe. Stop maintenant. C'est le moment de porter un geste. Bonsoir, soyez les bienvenus. Je suis tellement contente que vous ayez pu venir. Vous êtes ravissante, Emory. Merci, vous aussi. Merci. Cathy, tu trouveras Johnny dans sa chambre avec les autres enfants si tu veux aller les rejoindre. Tu peux y aller ? Mais bien sûr, mon cœur. Surtout, mettez-vous à l'aise, faites comme chez vous. Je vais juste vous emprunter Scott un petit instant. J'ai invité des amis avocats à qui j'aimerais beaucoup te présenter. Très bien. Elle est incroyablement ravissante. Et incroyablement polie. Oui, et incroyablement parfaite. Un verre de lait de poule ? Avec grand plaisir. Marilyn ! Oh, regardez qui est là. Vous permettez ? Oui. Je vais vous présenter mes amis. Ça fait plaisir de voir Al. Il est charmant, n'est-ce pas ? Nous avons eu une conversation très intéressante. Ils sont tous membres du club des Globetrotters de Pine Grove et figurez-vous qu'ils m'ont proposé de participer à leur prochain voyage, une croisière sur le Danube. C'est génial, vous devriez accepter. Je ne voyage pas beaucoup. Enfin, plus maintenant. Pourquoi ça ? Pour commencer, j'ai dû élever Scott et ensuite... Je me suis habituée à mon petit confort, ou peut-être devrais-je dire engluée. Moi, je peux pas imaginer ne plus voyager. Vraiment ? Vraiment. On fait une drôle de paire. Un petit four ? Vous voulez que je vous dise ce qui me rendrait super heureux là tout de suite ? Quoi donc ? Rentrer au chalet, faire de la tisane. Finir la maison en pain d'épices. Oh, contente de le savoir parce que j'ai pas arrêté d'y penser et j'ai eu une idée géniale pour la porte d'entrée. Une barre de céréales au chocolat. Vous devriez aller consulter. Vous êtes juste jaloux parce que c'est pas vous qui avez eu cette brillante idée. C'est pas faux. Bon, je vais chercher les autres. Et moi nos manteaux. Si on le mettait ici. Oh. Je plaisante pas, regardez. Ce serait sympa, comme ça, ça change. Tu crois que j'ai mis suffisamment de les concentrer, Cathy ? Je peux emboucher maintenant ? Oh, attention, ça peut... Voilà. Maintenant, faut plus y toucher. Christmas is near. Christmas is just round the corner. He's almost here. Santa, he won't be much longer. So bring on a cheer, 'cause Christmas is just round the corner.
décorer une maison en pain d'épices, c'est fait. Watch for his sleigh, his reindeers will all be together. Cause Christmas is near, Saint Nick is just round the corner. Get out the tree, put up the lights, dust off the fairy and make it real nice. Est-ce que t'as vu d'autres patinoires? Non, on est les seuls à en avoir fait une. Et nos sapins aux boules de gomme sont les plus jolis. Yes! S'il vous plaît, un grand merci à tous pour vos merveilleuses réalisations. Cette année, comme l'an dernier, le vainqueur du concours a été désigné à l'unanimité. Pour allez, le on croise les doigts, mon cœur. Allez, croisons les doigts. Et le confort que son œuvre évoque, le premier prix est décerné au numéro 12. J'y ai tant entendu. C'est sûr que tu as gagné. Wow. Oh mon Dieu, j'y crois pas. Bravo, ma puce. Oh, bravo. Bravo à vous aussi. Une petite photo de famille. Tu fais fière de toi. Non, mais non, si. C'est normal, c'est vous la famille. Si, viens. Un Noël traditionnel. Projet de livre. Nouvelle tradition de Noël. Je suis tellement fier de toi, mon cœur. On a gagné tous les quatre. Oui, mais sans toi, on aurait passé Noël à San Francisco au lieu de gagner ce magnifique trophée. On pourra revenir l'an prochain. Avec plaisir. Et on pourra inviter Emory? Je suis pas sûr que ce soit possible, chérie. Pourquoi elle a participé à toutes les activités? C'est beaucoup grâce à elle si on s'est autant amusé. Tu as raison. C'est génial d'avoir Emory parmi nous. Mais tu sais, elle a sa propre vie. Une vie bien remplie. Et si ça se trouve, l'an prochain, elle sera en voyage. On peut quand même essayer. Faites beau rêve. Cathy est couchée? Oui, elle va dormir comme un bébé après sa victoire. Ah, elle voudrait que l'année prochaine, on revienne ici. Ah, eh bien, à moi aussi, ça me plairait beaucoup. Ah oui? Oui, je passe un excellent séjour. Alors, ça te plaît de sortir de ta zone de confort? Oui, c'est pas la peine de me taquiner. Al m'a invité à faire partie de son club. Il se trouve qu'ils vont faire une croisière sur le Danube. Waouh! Alors? Je crois que ça ne me correspond pas. Oh, moi je pense le contraire. T'as peut-être raison. Fonce, va découvrir le monde. Fais-toi des amis. Une chose est sûre, je compte demander à Al de nous réserver le même chalet pour Noël prochain. Exclusivement à nous, cette fois. Cathy a demandé qu'on invite Emory. Eh bien, je suppose que ça ne mange pas de pain de le lui demander. C'est exactement ce qu'elle a dit. Avec ses mots à elle. Seulement, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Et parce qu'elle dira jamais oui. Allons, qu'est-ce que tu en sais? Maman Emory est une jeune femme indépendante, elle est brillante, elle voyage tout le temps. Elle n'a pas envie de se fixer, ni de revenir passer Noël à Pine Grove. Elle passe bien ce Noël-là avec nous à Pine Grove. Regarde, toutes les routes sont dégagées, le pont est ouvert, et pourtant, elle a décidé de rester. Eh oui, mais c'est que pour cette fois. C'était amusant et spontané, ça lui fait une nouvelle histoire à partager avec ses lecteurs plus tard. Ou bien avec l'homme qu'elle rencontrera un jour. Je crois que s'il y a bien quelqu'un ici qui s'invente des histoires, mon chéri, c'est toi. Mmh.
Où est Orion? Juste là. C'est très beau, mais on n'est pas sur un catamaran dans les Caraïbes. Vous feriez mieux de dormir à l'intérieur cette nuit. Il fait un froid de canard. Oui, je suis au courant. Mais moi, j'ai la chance de pouvoir m'installer au coin d'un bon feu de cheminée avant de me mettre à écrire. Ça y est, vous avez trouvé votre angle? Oui. Le plus difficile maintenant, ça va être de me limiter à 2000 mots. Mais c'est une bonne nouvelle, non? Oui, en effet. Pour l'article... et pour cette idée de bouquin avec laquelle je flirte depuis pratiquement 2 ans. Oh, vous éveillez mon intérêt. Je vous le ferai lire quand je l'aurai écrit. Quel effet ça fait? De retrouver l'inspiration? C'est génial. Vous savez, écrire, c'est pas toujours facile. En tout cas pour moi, ça l'a pas été ces derniers temps. Pourtant, je croyais que vous adoriez ça. Oui, c'est le cas. Mais là, je pense de plus en plus à faire une pause dans mes voyages et à prendre le temps de me concentrer sur mon projet. C'est amusant. Pourquoi? Parce que c'est exactement le contraire pour moi. Cathy commence à être grande maintenant. Elle apprécierait de découvrir le monde. Elle est tellement curieuse de tout. C'est important. C'est comme ça qu'on apprend à grandir. Ouais. J'ai l'impression d'avoir oublié d'être curieux. J'ai oublié de m'ouvrir aux autres. C'est comme si je m'étais renfermé dans ma coquille. Quand Cathy a voulu venir ici pour Noël, ma première réaction a été de lui dire non. J'étais pas comme ça avant. En tout cas, je suis heureuse que vous ayez dit oui. C'est vrai? Oui. Sinon, je t'aurais pas rencontré. Oui, moi aussi, je vais pas tarder. Prends pas froid, surtout. J'arrive, mon cœur. Salut, Véronica. J'ai fini l'article. J'espère qu'il te plaira. Joyeux Noël et Maury. Marie, est-ce que tout va bien, chérie? Oui, tout va très bien. Je viens de finir mon article et j'ai eu envie de te téléphoner. Dans ce cas, je te félicite et je suis ravie de t'entendre. C'est bien, Pine Grove? Oh, c'est tout simplement magnifique. Tu sais, je t'ai parlé du problème avec la réservation du chalet. Oui? Eh bien, finalement, la famille a fini par m'héberger. Et on passe nos journées ensemble à faire plein d'activités traditionnelles de Noël. Et je passe un week-end vraiment formidable. C'est magique. C'est sûrement la magie de Noël. Oui. Ça ne peut être que la magie de Noël. Tu sais, ça m'a fait réfléchir. Oui, à propos de quoi? Des traditions. Pourquoi nous, on n'a jamais eu de tradition de Noël? Mais on en a, voyons. Ah oui, vraiment? Mais oui. Pour ta mère comme pour moi, la plus importante des traditions, c'est qu'on soit ensemble pour Noël. Peu importe l'endroit où on se trouve dans le monde, on a toujours fait en sorte d'être réunis tous les trois. C'est vrai. Comme les trois mousquetaires, hein? Exactement. Mais on n'est plus les trois mousquetaires. Chérie, on te propose toujours de nous rejoindre où qu'on soit, mais... Tu mènes ta propre vie désormais, Maury. Et je suis très fier de ce que tu as accompli. Papa? Oui? Et qu'y a-t-il, chérie? Tu veux bien qu'on passe Noël tous les trois ensemble l'an prochain? Vous pourriez venir à Pine Grove? J'adorerais ça. Je trouve que c'est une excellente idée. Qu'est-ce que tu fais? Une chaussette de Noël pour Emory. Elle est pas aussi belle que la nôtre, mais... Mais elle va être ravie.
Tu crois qu'on va la revoir après Noël? Bonjour. Bonjour. D'après Al, il y a des promenades en charrette à foin ce soir. Il rentre le foin avant que la grosse tempête arrive. Je vais faire une promenade en charrette. C'est sur la liste? Maintenant, oui. Numéro 8. Tu veux venir avec nous? Oui, avec plaisir, ça a l'air top. Ton sandwich chocolat marshmallow, tu le préfères comment? Légèrement roussi, cuit à point au feu de bois, ou dis-moi que non, tu le préfères cru? Tu vas peut-être me prendre pour une martienne, mais j'en ai jamais fait. Tu me fais marcher. Waouh, c'est un oubli qu'il faut rectifier au plus vite. Il faut cuire le marshmallow au feu de bois, en vrai. Ah, cuit au feu de bois, je retiens ça pour mes archives. Et je vais chercher le chocolat. D'accord. Dis cheese. Cheese. Cette photo, c'est pour ton projet? Oui. J'espère que j'aurai la chance de le voir. Que quand je l'aurai fini. Tu t'amuses bien? Oui, beaucoup. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de feu de camp à Noël. Je sais même plus quand c'était. Enfin, peu importe. J'apprécie celui-ci et je passe une très bonne soirée. Cathy! Ah. À tout à l'heure. Alors, j'avais raison à propos de cet endroit? Oh, t'avais mille fois raison pour Pine Grove. Cette ville a ressuscité la magie de Noël. Et Maury passe une bonne soirée? J'ai l'impression, oui. J'en suis ravie. Il faudrait être aveugle pour ne pas voir l'alchimie qu'il y a entre vous. Et j'ai pas l'habitude de courir après les hommes qui sont amoureux d'autres femmes. Oui, en fait... je crois que ça m'est tombé dessus comme ça. C'est complètement dingue. Profite de ta chance. C'est compliqué de trouver le bon partenaire. Merci. Joyeux Noël, Scott. Joyeux Noël, Alice. Salut. Au secours. J'ai besoin de conseils. C'est Scott? Vous vous êtes embrassés? Oui, mais pas tout à fait. Et là, ils parlent à cette merveille d'Alice et ils ont l'air tellement heureux et tellement parfaits avec leur rire et leurs mains qui se frôlent et leur vie tellement bien assortie. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. J'arrête pas de penser à ce que William m'a dit, qu'aucun mec normal ne voudrait de moi parce que je suis pas assez présente. Je te rappelle que c'est pas vraiment comme ça que tu m'en as parlé. En particulier un homme avec un enfant. Bon, écoute, ressaisis-toi. La communication, c'est la clé. Tu vas voir Scott, tu lui expliques ce que tu ressens et tu sauras s'il éprouve la même chose. Quoi? Mais t'es complètement dingue! Aucun être sensé ne ferait ça! D'accord, alors embrasse-le, c'est une autre manière de savoir. Ok, donc la joie la plus totale ou la honte la plus totale, ce sont les deux options qui s'offrent à moi. Bienvenue dans le monde complexe de l'amour. Bon, je te laisse, je dois aller dire à mon mari qu'il y a des limites au nombre de matchs de football qu'on peut regarder en une journée. Je suis avec toi. Oh, merci. Non, ça changera rien. Mais tu as passé pas mal de temps avec elle cette semaine. On a toujours su qu'il n'y avait rien de spécial entre nous. Elle est charmante. Oui, elle est charmante. C'est quelqu'un de bien. Elle est super. On a passé de bons moments tous les deux, mais ça va pas plus loin. En tout cas, heureusement que tu t'en es aperçu avant qu'il se passe quelque chose entre vous. Ouais, ça aurait été gênant. Toi et Emory, en revanche... Excuse-moi. Oh, pardon. Ça va? Est-ce que tout va bien, Emory? En fait, non. Je me sens pas très bien. Est-ce qu'il y a des taxis par ici? Ça m'ennuierait beaucoup d'embêter Scott et Marilyn. Je vais vous ramener. Merci, Al. Venez. Je croyais que ça m'arriverait plus jamais de ressentir ça. Tu es amoureux? Oui. Pour de vrai? Oui, ça se voit. Dis-moi, tu penses pas qu'être attiré par quelqu'un d'autre, c'est comme une trahison? Non! Non, pas du tout! Je pense que c'est la chose la plus naturelle qui soit, à condition que ce soit la bonne personne. C'est le cas? Oh, c'est bien possible. Alors dépêche-toi, Scott. Il ne faut jamais, jamais faire attendre le bonheur quand il frappe à ta porte, d'accord? Promets-le-moi. Je te le promets. Mais c'est valable pour toi aussi. Oh,
pitié. T'as passé les dernières années de ta vie à t'occuper de Cathy et de moi. Oui, parce que je me faisais du souci pour toi. Et t'as plus à t'inquiéter, c'est plus la peine. Non. Non, ce n'est plus la peine, n'est-ce pas? C'est plus la peine. Je t'adore. Moi aussi, je t'adore. Allez, file. Après toi. Oh, merci. Après toi. Allez au lit, chérie, il est tard. Bonne nuit, mesdames. Bonne nuit, mon grand. À demain. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne allez, nuit. Allez, embrasse ton papa. Bonne nuit, mon cœur. Et allez, hop, au lit. Voilà, oh, c'est très bien. Merci. Ah bah ça y est, t'es réveillée. Al m'a dit que tu te sentais pas bien hier soir et qu'il t'avait ramené au chalet. Oh, j'ai bien dormi, ça m'a fait du bien. Tant mieux. Ah, mes célèbres pancakes sont prêts. Et tu vas où? Il faut que je parte. Tu t'en vas? Oui, mon éditrice me confie une nouvelle mission à Katmandou. Je pars demain. Mais c'est pas possible, demain c'est Noël. Oui, je sais, c'est... on peut pas faire autrement parfois. Mais on n'est même pas allé faire du traîneau. Et on n'a pas vu de comédie de Noël. Je sais, je suis désolée, ma puce. J'aurais aimé rester, je t'assure. Et Maurice s'en va? Vous plaisantez? Vous ne serez pas là pour Noël? Tu peux pas partir un peu plus tard? Par exemple, le lendemain de Noël? J'ai bien peur que non. Et puis, il y a cette tempête qui approche, alors je ferais mieux de prendre la route avant d'être coincée ici. Ça m'a fait plaisir de vous connaître. Oui. À moi aussi, Emory. Et toi, petite elfe, tu as été l'une des plus belles rencontres de ces surprenantes vacances de Noël. Je voulais que tu restes. Je ferais mieux d'y aller maintenant. Emory, attends. Pourquoi j'ai l'impression que tu caches quelque chose? Je suis vraiment désolée de faire de la peine à Cathy. Alors ne lui en fais pas. Reste. Passe un bon Noël, Scott. Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Madame, votre pneu arrière est presque à plat. C'est pas vrai. Merci. Attends, calme-toi. Je suis super calme. Je suis désespérée et j'ai eu la honte de ma vie, mais je suis super calme. Pourquoi t'as eu honte? Parce que c'est toujours terriblement gênant d'ouvrir son cœur à quelqu'un et finalement de se ramasser. Mais tu l'as pas fait. Enfin, pas réellement. Comment ça, je l'ai pas fait? Non, tu lui as envoyé des signaux cryptés avec les yeux, tu me plais, est-ce que je te plais aussi? Mais tu t'es jamais mise en danger en lui avouant franchement ce que tu éprouvais ou en prenant le risque de l'embrasser. Et c'est tant mieux, parce qu'au moins maintenant, il me reste un minuscule lambeau de dignité auquel me cramponner, merci beaucoup. En tout cas, s'il y a un truc positif qui ressort de cette histoire, c'est bien ton écriture. Ouais. Je crois que je vais m'accorder un peu de temps et travailler sur ce bouquin.
Je trouve que c'est une excellente idée, en particulier après ton dernier article. Tu l'as aimé ? Je l'ai adoré. Tu as mis beaucoup plus de toi-même cette fois, 1000 fois plus qu'avant. Plus de moi-même ? Oui, depuis quelque temps tu voyages tellement que t'as fini par développer une sorte de détachement. Un détachement ? Oui, et ça s'est accentué. Et surtout quand t'évoques les us et coutumes des pays étrangers. On a l'impression de lire de l'anthropologie. Je m'en étais pas rendu compte. Je sais. C'est pour ça que j'ai plus ou moins amplifié la mésaventure de Phil Lasker. Tu veux dire qu'il est pas coincé dans l'Antarctique ? Oh si, il l'est. Mais c'est pas ça qui l'empêche d'écrire. Alors pourquoi tu m'as confié son article ? Parce que je suis ton amie et ton éditrice. Et que j'espérais que si t'avais la chance de vivre le genre de Noël que t'as jamais connu enfant, tu comprendrais peut-être ce qui rend cette fête si spéciale et que ça éveillerait peut-être quelque chose en toi. Ça a marché encore mieux qu'on pouvait l'espérer. Je peux te montrer un truc ? Bien sûr. Vas-y, qu'est-ce que tu veux me montrer ? C'est mon cadeau de Noël pour toi et pour Emory. Je lui ai envoyé aussi par mail. Tiens, viens voir, maman. Oui. Vas-y. Merci de m'avoir aidé à faire le plus beau Noël du monde. Cathy. Accrochez-la plutôt ici. C'est un magnifique cadeau, Cathy. Alors ? J'ai adoré. C'est toi qui avais raison ! Emory, je t'entends mal, désolée. J'ai dit, t'avais raison ! Je me suis jamais vraiment mise en danger, je lui ai jamais dit ce que j'éprouvais pour lui. J'ai préféré prendre la fuite. Je crois que t'es en train de dire des choses très importantes, surtout le passage où t'admets que j'avais raison, mais je t'entends très mal. Oh non ! Véronica ? Véronica, tu m'entends ? Je suis en panne sur une route, à la sortie de Pine Grove. Emory ? Emory ? T'es toujours là ? Ok, il est l'heure d'aller dormir, Trésor. On a plein de choses à faire demain. D'accord. C'est bien, va vite, mon cœur. Bonne nuit. À toi aussi. Oui, Al, que se passe-t-il ? Scott, Emory est en panne. C'est son ami qui m'a prévenu. Et est-ce qu'elle a dit où elle se trouvait ? Non, la communication a été coupée. Je vais aller voir dans la direction qu'elle a prise en partant. On reste en contact. Qu'est-ce qu'il y a ? Emory est tombée en panne. Elle est quelque part, je sais pas où. Pas d'imprudence. Thank you.
Joyeux Noël, Emory. Je crois que tu devrais penser à changer de voiture. Tu crois? Allez, viens. Comment t'as su que j'étais en panne? Ton ami a appelé Al, qui m'a appelé. Et je me suis tout de suite mis en route. Merci d'être venu. Te réjouis pas trop vite, on n'est pas encore rentré. On y voit presque rien, j'ai failli faire demi-tour. Qu'est-ce qui t'a retenu? Je m'inquiétais pour toi. Tant que la neige continuera à tomber, il vaut mieux qu'on attende ici. Malheureusement, je crois que t'es pas encore débarrassé de moi. Je suis vraiment désolée. J'imagine que c'est pas ce que t'avais prévu pour Noël. Tu sais, je comprends pas pourquoi t'es parti. Je te l'ai dit, mon éditrice m'a confié une nouvelle mission. Mais arrête, Emory. Il s'est passé quelque chose. Dis-moi la vérité. Pourquoi t'es parti? Je pensais que ce serait plus facile pour toi. Plus facile? Je t'ai entendu. T'étais avec Marilyn, tu lui parlais de moi. Tu disais qu'on n'était pas fait l'un pour l'autre. Alors j'ai décidé qu'il valait mieux que je parte dès que possible. C'est pas de toi que je parlais, mais d'Alice. Et que les choses soient claires une bonne fois pour toutes, je ne suis absolument pas intéressé par elle. Mais pourtant, elle est parfaite. Pas pour moi. J'ai remarqué que l'avant de ta voiture était tourné vers le nord, et non vers le sud. Je venais juste de rebrousser chemin. J'ai reçu le mail de Cathy avec les photos. Je les ai vues, moi aussi. J'ai tenté de me convaincre que ce que j'éprouvais pour toi n'était pas réel, mais ça se voyait même sur les photos. Ouais. C'est vrai. Je tiens à être parfaitement honnête avec toi. Tu as retenu toute mon attention et tu m'as captivé dès le moment où tu as voulu me faire une prise de Krav Maga. C'est tout ce que tu méritais pour avoir déboulé dans ma vie. C'est toi qui as déboulé dans la mienne. Scott, ce que j'éprouve pour toi, je l'ai jamais éprouvé avant. Oh, tu me fais peur. On se lance dans cette grande aventure tous les deux? Oui, c'est pour la vie. Je suis pas un Saint-Bernard, mais je peux vous ramener au chalet. Merci, Al. Quoi? Mais rien, je suis super heureux. Hé, pourquoi tu n'es pas dans ton lit, toi? Je vais attendre le Père Noël. Oh, Dieu merci, vous voilà. Oh, Emory. Emory, alors t'es revenue? Il y a des bruits qui courent comme quoi le plus beau Noël du monde se passe ici. Comment j'aurais pu rater ça? Tu pouvais pas. Non. Pour rien au monde, j'aurais manqué ça. Ça s'appelle du Risengrot. C'est le dessert que les Suédois font à Noël avec l'amande. Vous connaissez? Oui, j'ai beaucoup bourlingué avec ma mère. Il faut que je vous la présente, elle va venir avec nous en avril. Tu vas faire la croisière? Eh oui. Alors, expliquez-moi, en quoi ça consiste, cette histoire d'amande? On dit que celui qui la trouve aura la bague au doigt dans l'année qui suit. Toi, mon cœur, tu es encore un petit peu jeune pour penser à ça. Je déborde de projets et d'idées pour le club de voyage. C'est au Costa Rica que la biodiversité est la plus riche sur la planète. Ça pourrait faire l'objet d'un voyage. Pourquoi pas? Tant qu'on a des bonbons à gogo. Oh, j'en apporterai, mais surtout pas d'amande. Thank you.
Qu'est-ce que t'en dis? J'adore cette tradition. Moi aussi. Je crois que c'est le plus beau Noël de l'univers. Approche. Je peux faire une photo? Évidemment. Oh, excellente idée. Génial. Dites sapin de Noël. Sapin de Noël.